Salut, salut tout le monde, bienvenue. On se retrouve pour la deuxième partie de ma présentation des Nuits d'Arc Rituel dans leur 7e et 8e édition. Donc voilà, et pour commencer donc cette deuxième partie, on commence par les jeux de fer, avec une 7e édition un peu timide, là où on pouvait retrouver une prestation de la boule, et une 8e édition qui a tout déchiré, puisque pas mal de choses en lien avec les jeux de fer. Présentement à la vidéo, c'est la boule de la 7e édition. Et suivra une deuxième vidéo qui présentera en fait la vidéo de la 8e édition. Et vous allez voir, vous allez en prendre plein les mirettes. Bon, je vous laisse et je vous récupère entre temps. Allez, salut!
Et on enchaîne de suite avec la prestation de la 8e édition. Accrochez-vous bien.
Voilà un grand retour en force des Jeux de Fer lors de la 8e édition. Remerciements aux personnes du public, que ce soit sur la 7e ou la 8e édition, qui se sont prêtées au jeu de la boule. Merci à eux d'avoir fait le spectacle et d'y avoir participé. Je m'excuse auprès de la personne qui m'avait demandé de regagner le public, mais voilà, j'espère qu'elle comprendra un peu pourquoi j'avais pris ce risque. Évidemment, des jeux de fer aux jeux de feu, il n'y a qu'un pas et il n'y a qu'un temps. C'est ce que nous allons découvrir, que nous réservait donc la 7e et la 8e édition au niveau des jeux de feu. Eh bien, comme d'habitude, on a retrouvé les classiques, notamment Valet, Miseriae, mais dans deux façons différentes d'appréhender les choses. La version de la 7e édition avait mis en avant un spectacle, là où la version de la 8e édition était beaucoup plus timorée. Un simple éclairage. On revient donc là avec la présente vidéo que je vous montre, qui est un peu en accéléré. Je suis désolé, mais je peux pas m'amuser à vous montrer tout en intégralité parce que ça prendrait un temps dingue et je pourrais faire 4 à 5 parties pour présenter les nuits d'arc rituel si c'était le cas. Donc là, la présente vidéo est la 7e édition. Et automatiquement, l'intérêt en fait de Valet Miseriae sur cette 7e édition, c'est qu'elle était agrémentée d'une bande son. Pour des droits d'auteur, j'ai dû la couper, je suis désolé, hein, mais je dois faire attention à ce que ma chaîne ne se fasse pas striker non plus. Donc voilà, je vais couper le son. Et donc, il y avait à la fois un spectacle son-lumière. Comme vous voyez, des petites chauves-souris qui passaient assez régulièrement au niveau de la maquette. Et vous allez voir les choses évoluer entre fumée, mais aussi mousse qui était envoyée en l'air pour simuler une sorte de neige. Sincèrement, ça a donné vraiment un aspect très très beau à cette maquette, très spectaculaire. C'est une des représentations de Valet Miseriae que j'ai préférée. De ce que je me rappelle, la version 2016 n'était pas aussi agrémentée. C'est vraiment la 7e édition qui a amené toute sa dimension à ce spectacle. Désolé, hein, j'ai été obligé d'essayer de protéger mon objectif de la mousse. Parce que c'est très beau, mais c'est aussi très gênant sur quand ça vient se coller sur l'objectif. Donc voilà. En tout cas, une très belle édition, hein, la 7e édition par rapport à ce présent événement qui est Valet Miseriae. Toujours un temps assez particulier avec évidemment une recherche esthétique toujours poussée à la Rosa Crux. Donc voilà, je vous laisse regarder la fin de la vidéo et je vous récupère à la fin.
Voilà pour Valae Miseriae. On continue avec les jeux de feu, avec un deuxième événement évidemment, un incontournable encore une fois, cette fois-ci le Pentacle. Le Pentacle est apparu lors de la 7e édition. Alors évidemment, vous allez voir, entre les deux éditions, évidemment, il n'a pas du tout la même position. 7e édition, où c'était plus un, comment dire, un symbole protecteur de sorcellerie, quand la 8e édition, évidemment, l'assume sous une toute autre forme. Donc voilà, à vous de juger quelle édition préférez-vous. Mais en tout cas, le Pentacle qui est pour l'instant en phase de devenir aussi un incontournable des Nuits d'Arc Ritual et qui revient donc sur les deux éditions, 7e édition et 8e édition. Il n'était pas présent lors de la 6e édition. Vous pouvez aller vérifier dans mon documentaire au niveau de ma section des événements puisque j'avais couvert aussi la 6e édition. C'était la première d'ailleurs édition que j'avais couvert. Là, évidemment, c'est plus une particularité tenant à la 7e et la 8e édition. Voilà, toujours aussi beau à voir cramer. Évidemment, j'ai accéléré là encore les vidéos pour dire de gagner un peu en temps. Alors, à côté de cela, évidemment, là, on ne peut pas faire autrement que de passer à côté. Que de pas passer à côté, excusez-moi. Je pense que les Dark Rituals, enfin les Nuits Dark Rituals, perdraient vraiment de leur superbe si les sorcières, ou du moins le cercle des sorcières, n'étaient pas de la fête. Je pense que c'est un des temps les plus forts qu'on puisse trouver au niveau de ce festival. Rares sont les personnes qui n'aiment pas ce moment du cercle des sorcières. Évidemment, deux éditions, donc 7e et 8e édition, et deux façons d'entrevoir les choses. Lors de la 7e édition, les jeux de feu étaient vus événement après événement, là où la 8e édition les a traités de telle façon que les événements des jeux de feu se surajoutaient les uns aux autres. Donc voilà, ça vous gâche un peu la surprise des particularités puisque vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas encore vu. On va le traiter juste après, mais pour l'instant, je vous laisse regarder donc ces superbes sorcières. Eh bien évidemment, il suffisait que je le dise pour qu'elles disparaissent, les coquines. Donc voilà, particularité de la 7e édition au niveau des jeux de feu, le vol de chauve-souris. C'est une chose qu'on a pu voir que sur la 7e édition et que je vous montre ici présentement. Donc voilà, le temps d'une soirée, les sorcières s'étaient esquivées et avaient laissé place à ces mobiles qui, avec la vitesse, prenaient l'allure de chauve-souris de feu parcourant la nuit. Chose qui était quand même pas mal. Bon, après un peu de difficulté à pouvoir vraiment réussir à gérer la trajectoire, mais bon, c'était étonnant et inattendu. Donc voilà, ça c'était la 7e édition, l'originalité de cette 7e édition au niveau des jeux de feu. Évidemment, la 8e édition a eu aussi sa particularité qu'on verra un peu plus tard. Je vous en ai un peu gâché la surprise. Et donc voilà, 8e édition avec comme particularité les croix de fer. Donc voilà, première édition où elles apparaissent. Donc voilà, il s'agit, c'est vraiment de croix de fer enflammées. Et donc qui ont pu participer au Pentacle et aux sorcières de la 8e édition. Est-ce qu'ils seront là l'année prochaine? Ce sera à vous de le vérifier. En tout cas, on verra bien, puisque d'année en année, il y a quand même pas mal de choses qui évoluent au sein de ce festival, des créations qui ne sont utilisées qu'une fois alors qu'elles ont dû demander un travail quand même assez conséquent. Donc voilà, les paris sont ouverts pour l'année prochaine. Quels événements reviendront? Quels sont ceux qui disparaîtront? Il n'y aura qu'un moyen de le vérifier, c'est d'y assister.
Mais voilà, vraiment un très bel effet au niveau des croix. J'ai bien aimé, j'ai apprécié. En plus, juste à côté du pentacle inversé à côté des sorcières. Donc voilà, religion, antéreligion et paganisme, tout réuni en une seule fois. Et évidemment, ça ne pouvait être qu'aux nuits d'arc rituel. Allez, on continue notre exploration. Évidemment, les nuits d'arc rituel, la nuit, c'est aussi évidemment les dark ritual parties avec le concours de DJ qui anime les soirées jusqu'à l'aube. Donc la 7e édition et la 8e édition n'y ont pas fait exception. 2017 avec Convulsion Sonore, DJ GG et DJ Le Chiffre, et 2018 avec DJ Hans et DJ Seb Petit. Je suis désolé, ça peut peut-être vous sembler un peu vide sur l'année 2018, l'année 2017 aussi, c'est parce que j'ai pris mes vidéos en tout début de soirée. Donc évidemment, il y avait encore beaucoup plus de personnes dehors qui n'étaient pas encore venues rejoindre la soirée. Donc voilà, il n'y a pas de souci quant à la fréquentation de ces soirées. Simplement, le temps où j'ai pris ces vidéos n'était peut-être pas le plus propice. Mais bon, j'étais fatigué, fallait que je rentre chez moi. Donc voilà, on en a fini un peu avec les événements de la Dark Ritual, on va peut-être s'attaquer à la conclusion. En conclusion, donc que dire de cette 7e et 8e édition des Nuits Dark Ritual? Une 7e édition qui avait fait la part belle au niveau des jeux de feu. La 8e semble l'avoir fait au niveau des jeux de fer, du grand retour des jeux de fer. Au niveau de la programmation des groupes, une montée en puissance faramineuse. C'est sincèrement la 8e édition est venue confirmer ce que je pensais lors de la 7e édition, c'est qu'on a assisté carrément à un virage du festival avec une montée en puissance quand même assez dingue. Je le répète, hein, la 6e édition c'était 3 groupes, la 7e c'est 6 et la 8e 8 groupes présenté sur le camion scène lors de ces 3 jours. Donc voilà, vraiment un festival qui commence à prendre tout son essor. Pour autant, convivialité et possibilité d'approcher quand même les artistes et de pouvoir discuter, échanger avec eux, ce qui est toujours assez appréciable. Voilà. Encore une fois, je tenais à m'excuser auprès du jeune homme qui s'inquiétait de ma sécurité lorsque j'ai enregistré, en fait, filmé les jeux de fer, mais sincèrement, j'aurais pas eu le même point de vue et j'aurais pas eu la globalité de la prestation si j'avais été du côté du public. Donc voilà, je m'excuse auprès de lui, c'était pas une façon de vouloir le braver, simplement une volonté d'essayer de tirer le meilleur parti de la position qui était à l'opposé. Donc voilà, encore mille excuses. Merci, encore merci donc à Olivier Tarabot et Claude Feny pour ces spectacles. Merci au collectif des Nuits d'Arc Ritual pour leur acharnement et leur énergie à faire que ces nuits se passent sous les meilleurs auspices. Voilà, merci aussi au public qui a participé à certains événements, notamment la cage et la danse de la terre. Et merci à vous de faire la réussite de ces nuits. Salut!